tout le monde. Bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Mon objectif clair de mes présentations maintenant est chaque fois d'essayer de prendre Ize à contre-pied, de faire un truc suffisamment ridicule pour que Ize réagisse. Pour l'instant, ça marche. Ah oui? À chaque fois, ouais. Elle s'en est même pas rendu compte. je suis Hicham El Amoury, bienvenue dans notre podcast. Je dis notre car je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné des éternellement présentes et heureusement qu'elles le sont. Que serait cette chose si nous n'étions qu'une seule personne? Il y a Ize Brassel. C'est moi. Il y a Manu Hennebert. Bonjour. Et il y a... Mais une 4 personnes, je ne comprends pas, mais... Mais ça y est, elle a définitivement emménagé ici, ou bien quoi? Définitivement, elle a installé un matelas sur mon lit, je dors par terre à présent, elle aurait pu se mettre directement sur le lit, mais elle n'a pas voulu. Elle habite chez moi depuis maintenant 2 semaines et demie, sa petite fille abandonnée, vivant toute seule dans un appartement, mangeant sans doute des chips à longueur de journée. Comme tout ado qui se respecte. C'est ça, exactement. Il s'agit d'Agnès Calvache. Bonjour. Toc, 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 j'ai vu de la lumière, je me suis installée pour une durée indéterminée. Je serais peu charitable, je dirais comme la mérule, mais je suis très... Mais par contre, la différence, c'est qu'on est très heureux d'avoir Agnès Calvache avec soi. Hein. C'est vrai. Alors que la mérule, c'est moyen bof. Hein. Ouais, c'est vraiment un compliment, ce que tu viens de faire, là. Tu crois vraiment l'analogie, il n'y a pas de valeur assignée. Hein. Enfin, je suis contente d'être au-dessus de la mérule, quoi. Cette phrase, titre. Agnès Calvache, nous te retrouvons pour cet épisode. Je suis personnellement très heureux de ça. Ok. Est-ce que tout le monde est personnellement très heureux de ça ou pas? Ok. Ouais. Ok. Et toi? Moi, je suis personnellement très 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 heureuse et je risque de revenir. Je veux pas vraiment enfoncer la porte et la fenêtre, mais je crois que je vais revenir. Les gars, prenons rendez-vous. Pourquoi il y a deux types qui viennent de déposer un canapé avec ceci appartient à Agnès écrit dessus. Voilà. Et ma valise là-bas, merci. Hicham, donne-leur une petite pièce, s'il te plaît. C'est un takeover. J'adore. Agnès. Oui, présente. J'ai une question pour toi. Étant une improvisatrice émérite qui a vu passer, qui a enseigné à une ou deux générations d'improvisateurs quand même. Mais pourquoi les gens prennent ça mal? Tu sais qu'à chaque fois que je passe dans votre émission, tu me rappelles à quel point je fais partie des dinosaures de l'improvisation. Je n'ai pas dinosaure. Moi, je suis désolé. Je trouve qu'il y a une valeur ultra dingue à avoir vu passer deux générations, c'est-à-dire 30 ans. Des gens, non, mais des générations en termes d'impro, pour moi, c'est plus 5 à 10 ans. Et bon, voilà, toi, ça fait 20 ans que tu as commencé de l'impro. 24, c'est quand même dingue. Mm-hmm. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte à devenir expérimenté, personnellement. Je constate que dans la société, ce n'est pas la même chose. Mais moi vraiment je trouve ça super fascinant de tu as pu avoir un regard surtout en tant que quelqu'un qui a enseigné à pas mal de gens. Oui, et j'ai évolué, enfin l'apprentissage des autres m'a permis d'évoluer moi-même. Oui. Et ma question c'est cela justement, toi qui pratiques depuis une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu as vu comme changement qui s'opère dans l'improvisation, dans le milieu, que ce soit sur scène, hors scène, dans les rapports entre improvisateurs et la pratique elle-même? C'est... En bien comme en mal. Ouais, mais alors c'est une super bonne question parce que. Je sais. C'est bien pour ça que je la pose. Et une gommette au petit Hicham. En fait, moi je trouve que l'improvisation est devenue beaucoup plus sécure en fait. Déjà, il y a pas mal de comment on appelle ça de cercles de consentement qui se font. Je trouve qu'il y a des valeurs, du respect et des valeurs sur scène qu'il n'y avait peut-être pas, pas par méchanceté, mais peut-être par on connaissait pas encore. Moi, je fais partie de l'impro. Je pense que ça, le match en tous les cas d'impro, ça a commencé en 77. Un truc en 78, Canada en tout cas. 77, 78, Gravel-le-Duc. Et voilà, moi je fais partie quand même des gens qui sont arrivés assez vite à pratiquer cet art, en tous les cas de la rencontre improvisée. Et il fallait qu'on
qu'on teste les codes, en fait, qu'on essuie les plâtres, comme ouais. on dit. Et donc, il y avait pas mal de maladresses. Et je trouve que petit à petit, la société évoluant aussi, et tant mieux sur plein de points, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de tolérance, de diversité. Et je vais parler en tant que femme, parce que c'est hyper important pour moi. Vraiment, cette notion-là, c'est pouvoir évoluer en improvisant sans être catégorisé comme, je ne dis pas que tous les jouteurs d'impro, tous les comédiens improvisateurs des années 90, par exemple, faisaient ça, mais souvent, on était juste bonne à faire la potiche, la mère de famille ou la prostituée. Voilà, vraiment, c'est une caricature. Les archétypes, quoi. C'est des archétypes. La vieille, la pute et la nonne. Ouais, exactement. Ouais. C'était assez difficile d'exister sur scène en impro, en dehors de ces archétypes-là. Et je trouve que l'évolution sur scène, les nanas sur scène et, ont vraiment trouvé une place et ont pu vraiment... leur parole a été entendue et je trouve que voilà, il y a vraiment beaucoup plus de place au jeu pour les femmes et les tout et finalement aussi l'ouverture des genres en fait. Ça fait partie des évolutions sociétales qui se sont aussi, puisque l'impro c'est prendre des références de la société, de sa vie, alors en fait ça a été aussi intégré au sein des impros et donc les thématiques et l'acceptation de l'autre avec ses différences au sens très large du terme. Ça a été aussi injecté dans les impros, ouais. Et tant mieux. Ouais, mais c'est, voilà. C'est un art qui a le doigt sur le pouls de la société, comme le diraient les journalistes. Ouais, et ben, donc c'est vraiment plutôt positif l'évolution, et moi je suis très contente de voir que l'impro est finalement quelque chose que tout le monde peut faire. Bon, t'as certains au départ qui ont peut-être le truc pour l'impro, mais ça veut pas dire que si tu l'as peut-être pas, des fois, il faut juste aller creuser, ouais, travailler. Et aller travailler. Le travail, c'est ça. On peut tous acquérir. Enfin voilà, on a tous le droit d'improviser. Et avec ces valeurs-là qui sont défendues sur scène, et aujourd'hui, je trouve que c'est plus sécure, safe de faire de l'impro avec tout le monde, dans le respect de chacun. Amen. Alléluia. L'impro comme art populaire et universel. Merci Agnès. Oh, bravo. De rien. Très belle réponse. Tu m'as donné la parole sur un sujet qui est très très important. Merci à toi. Merci de ta réponse sincère et c'est complète. Vrai. C'est beau. Oui. Mais qu'est-ce qui est beau d'autre ? C'est qu'on va faire des improvisations. C'est vous qui êtes beau. Qui viennent de déposer un frigo qui fait la taille d'un immeuble dans mon salon. Bonjour, mais vous êtes très beaux, messieurs. Tout le monde est beau et belle. Ils sont beaux, les déménageurs. Oui. Ouais. Are you sure? J'ai déjà vu des... toutes les choses sont dans la nature. Les déménageurs beaux comme moins beaux. Enfin, nous sommes universels et populaires ici. Vous savez ce qui est beau? C'est les lavas. Les lavas. Les lavas beaux! My drop! Nous allons faire trois improvisations dans ce podcast qui va durer sans doute plus d'une demi-heure, visiblement. Il y aura trois improvisations. Chut! Je présente. J'adore le pouvoir. Nous allons faire trois improvisations. Chacune de nos improvisations aura des contraintes diverses et variées parce qu'on trouve ça rigolo. Et la première nous est présentée tout de suite, sans transition, par Manu. Et oui. Et si vous nous suivez régulièrement, chères auditrices, vous savez que Hicham présente les interviews scientifiques, que Ize présente les interviews sportives et que moi-même, je présente les interviews littéraires. Et c'est le tour de l'interview littéraire du jour. Alors, c'est facile. J'ai pris un livre de ma bibliothèque personnelle. Et ce livre, Agnès, oui, tu vas en devenir l'auteur, parce que oui, ça a été écrit par un auteur, Jean-Marie Piem. Okay. Et donc, tu seras l'auteur de ce livre. Ce livre s'appelle « Le souffleur inquiet ». Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Je te laisse juste voir la couverture. C'est une couverture grise avec au-dessus une espèce de rangée de fauteuils de cinéma ou de fauteuils de spectacle et puis au-dessus des nuages. Voilà, c'est un peu abstrait, mais voilà. Et Ize, oui, tu seras la présentatrice d'une émission littéraire qui vise à mettre en valeur Jean-Marie Piem et son nouveau livre, Le souffleur inquiet, que Jean-Marie Piem vient présenter pour la première fois à sa sortie ici,
Alors, est-ce que c'est clair pour vous ? Oui, tout très, à fait. Très. Oui, formidable. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à dire, c'est parti. Bonsoir. Bonjour, si c'est encore le matin. Et bienvenue dans notre émission littéraire qui s'appelle « Un livre, c'est comme une bougie ». Ici, tout se souffle. Ici, tout s'entend. Les livres sont comme des bougies. J'ai avec moi aujourd'hui un auteur très particulier, Jean-Marie Bien. Bonjour. Jean-Marie, vous allez bien ? Oui. Merci. Eh bien, je vais vous proposer de nous dire le titre de votre nouveau livre. Le titre de mon livre est « Le souffleur inquiet ». Le souffleur inquiet. Le souffleur inquiet. Ici, dans « Les livres sont comme des bougies », nous aimons beaucoup les souffleurs inquiets. Alors pourquoi ce titre ? Parce que c'est l'histoire d'un personnage souffleur dans un théâtre comme ça, un petit théâtre de banlieue parisienne comme ça. Il fait ça en tant que professionnel, hein, pas du tout pour une passion personnelle. C'est vraiment quelque chose qu'il fait parce que il est rémunéré pour ça. Mais vous faites bien de me le préciser. Je vous juge énormément. C'est parce que j'ai été très 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 fort jugée en tant qu'artiste écrivain et donc. En fait, ça a commencé quand, à l'école, ma mère, elle m'a amenée, elle m'a dit un jour, tu auras un métier, un vrai métier. Et puis, j'ai été auteur et en fait, j'ai toujours senti de ma mère qu'elle n'était pas très, très fière, en fait, finalement. Et donc, le souffleur, lui, il fait ça vraiment de manière professionnelle. Mmh. C'est-à-dire, il est payé. C'est quelque chose où il trouve vraiment un équilibre, finalement, dans cette profession. Mais un jour, il développe une maladie. Ah. Oui. Une mauvaise haleine. C'est une haleine fétide qui est due à une mauvaise digestion, des remontées acides qui viennent de l'estomac. Et il a une mauvaise haleine, oh là là. Et c'est très problématique pour son métier. Pour un souffleur. allez souffler quand vous avez l'haleine qui pue, j'ai envie de dire. Et là, il devient inquiet. Exactement. Et justement, à ce moment-là où il apprend pour sa maladie, il dit... C'est l'extrait. L'importance du théâtre réside dans la volonté de construire ce gestus anthropologique manifeste et complexe. Ouais. Alors là, j'avais pris des mots comme ça. J'ai tourné un dictionnaire. En fait, j'étais moi-même inquiet. J'ai mis mon doigt, paf, voilà. Et alors, il y a des mots qui sont sortis. Je les ai retranscrits sur la page et ça a fait cette phrase. Mais c'est la mise en abîme de l'inquiétude. Oh ben c'est surtout très, 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 très fatigant de tourner les pages et de poser son doigt comme ça à chaque fois, sans tricher, parce qu'il ne faut pas tricher. Hein. Sinon, on est un peu tenté quand même de vouloir un peu choisir ses mots. Et ça, j'ai pas un. D'ailleurs, on le voit, on le sent à la syntaxe de cette phrase que j'y suis allée vraiment franco. Quoi. Ah, vous y êtes allée franco. Moi, ce qui m'a le plus touchée, et je pense que nous allons devoir terminer par cela, Jean-Marie. La conclusion. C'est le tout début. Oui. Parce que le tout début ne... Si je peux dire, je suis très très fière du tout début que vous allez... Mais oui. Dont vous allez parler. Oui. Et j'ai hâte que vous m'expliquiez parce que ce n'est pas comme tous les autres livres. Mmh. Vous commencez par présentation. Oui. Voilà. Alors là, j'ai vraiment pris des risques. J'ai voulu, en un mot, prendre le contre-pied de l'attente du lecteur, en fait. Je me suis dit, c'est le début. Si je mets début... Il va pas être surpris. Alors j'ai mis présentation. Mes amis disent de moi que je suis un peu foufou des fois. Et là, c'est Je vous juge beaucoup. Vous êtes un peu foufou. Merci. Enfin, je sais pas. Merci beaucoup. Voilà. Merci Jean-Marie Piem. Merci. Et c'est sur cette pas fin, mais sur cette conclusion, oui, que nous vous laissons. Allez, comme une bougie. Merci beaucoup. Alors là, j'ai mis des mots. Oh, ça, c'était beau. Gestus. Ce gestus anthropologique. Mais, ouais, mais quand t'as des mots qu'on te dit que t'as écrit, que tu sais même pas ce que ça veut dire. Je pense, très bon réflexe. Je me suis dit que tourner les pages d'un dico et de choisir ce mot-là, oui, parfois. Hein. Meilleure porte de sortie possible. Hein. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, juste pour dire un petit mot sur le livre, donc.
C'est en fait le souffleur inquiet et autres écrits sur le théâtre. En fait, Jean-Marie Piem, c'est un homme qui est quand même assez important dans le théâtre belge. Ah oui, hein, il me semblait bien. Pardon, Jean-Marie. Tous les hommes, en fait, encore un homme important. Alors, dans sa génération, effectivement, il n'y avait presque que des hommes, malheureusement. Donc, il est né en 44. Représenté. Il enseigne à l'INSAS. Et donc, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de bouquins et d'articles, etc. Et qui a, en fait, fait un recueil d'articles qu'il a écrit sur le théâtre entre la fin des années 80 et maintenant. Et je suis sûre que c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai voulu lui peut-être, mais... C'est pas dit. C'est pas dit toujours. Non, mais Jean-Marie, si tu nous écoutes, on t'aime beaucoup. Voilà. 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 On t'aime beaucoup, on t'aime Jean-Marie. Beaucoup. Merci beaucoup. Et donc voilà, c'est intéressant. Mais ce que vous en avez fait est très, très intéressant aussi. Merci beaucoup. Et puis voilà. Ah mais c'est ça. En fait, il a écrit des livres avec mon prof de dramaturgie Liadé, Paul Pourveur. Paul, je te fais des bisous. Oui, c'est vraiment la génération Paul Pourveur, etc. Son fils spirituel, c'est Antoine Laubin, pour les personnes qui connaissent. Ah ouais, moi, une fois, je suis allé rentrer dans un truc, j'ai acheté un paquet de Haribo, c'était super. Ouais. Exactement. Oui. Hicham et moi, on se regarde. Mais... Ouais. Moi, l'argos. Hicham, il ne revient qu'à toi de faire avancer cette émission. Oui, c'est vrai. Oui, ah, d'accord. Mais... Oui, oui, Hicham. C'est ça. Mais je parlais juste du fait que j'avais pas les refs. C'est vrai que je suis en train de parler de leur petit délire de théâtreux, là. Prout, prout, tagada. Prout, prout, tagada. Prout, tagada, j'ai appris à porter ma voix, tout ça, tout ça. Nous allons continuer avec une autre improvisation que je présente. Je veux un prout, prout, tagada tous ensemble. 1, 2, 3. Prout, prout, tagada. Là, on voit que voilà, c'est différent. Hein, c'est... Voilà, bah oui, c'est ça. Pas la même texture. Ouais, voilà. Alors, nous allons continuer avec une improvisation que je propose, que j'essaye désespérément de proposer, mais que apparemment, ce n'est pas le moment, parce que Prout Prout Nagada. Eh bien, nous allons faire une improvisation Weird Things. Weird Things, c'est une improvisation où je me tourne vers le compte Instagram @weirdthingsinbrussels, un compte Instagram qui répertorie des photos saugrenues prises dans notre belle capitale, en Bruxelles. Oh oui. Que nous avons déjà exploité à quelques reprises. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle image issue de ce compte, publiée par ce compte, qui servira d'impulsion à une improvisation jouée par Manu et Agnès, bien entendu. Tout à fait. Agnès, c'est notre invitée, elle est à l'honneur. Et Manu, il faut bien qu'elle joue un moment de l'émission. Donc c'est voilà. Vrai. Ouais, c'est sûr. Donc, je vais vous montrer l'image. Vous n'aurez pas rien d'autre que cette image. Cette image est la suivante, si j'arrive à ne pas tout dégommer en la montrant. Je trouve le concept très intéressant. Voilà, c'est ça. Donc ce sont deux portières de voiture avec un petit papier noté « à donner ». Voilà, je trouve ça cocasse. Il y a aussi une petite étiquette panneau interdit de stationner juste à côté. Je vous trouve qu'il y a une belle absurdité, toute purement belge. Bruxelloise, oui. Oui, le chaos humain dans sa plus pure forme. Je vous encourage à commencer cette improvisation juste après le petit jungle. Et le jungle arrive maintenant. Waouh, wow, mais attendez, mais du coup, c'est... Vous la donnez, quoi. Genre, je dois rien vous donner, quoi. Enfin, vous me la donnez, mais moi, je dois rien vous donner, quoi. Alors, honnêtement... Ah non, mais je le savais, c'est fou. Non, mais on me le fait toujours, je veux dire... Je veux pas vous démoraliser, hein, mais c'est juste, c'est les deux qu'il faut prendre. Vous pouvez pas... Attendez-vous. Vous pouvez pas en prendre. Vous me donnez les deux. Mais oui. Vous me donnez les deux. Bah, c'est un lot. Ça, genre... Ça se voit. Comme ça, et je dois rien vous donner, j'ai les deux. Non. Vous n'avez rien à me donner, c'est oui. Cadeau, c'est comme ça, c'est offert, le plaisir d'offrir. Non mais c'est fou, parce que vous voyez ce matin, oui. Eh ben, dans mon petit sachet de thé, mm-hmm. Il était marqué « un cadeau vient à ceux qui ne demandent rien ». Et puis, non, mais c'est pas j'avais un peur cadeau. Que j'ai demandé trop. Ah, je vous non. Dis c'est les deux, il faut le prendre non, les deux. Parce que vous voyez, moi depuis le décès de mes parents, enfin je parle d'un décès métaphysique, hein, parce qu'ils m'ont rejeté très violemment, mais on ne m'a jamais plus rien donné. Et là vous m'offrez ça, enfin c'est... Qu'est-ce que je peux faire pour... Enfin, je sens que j'ai une dette maintenant. Mais rien, je vous ai vu passer avec votre bagnole. Il n'y avait pas de portière. Mais non. Je me suis dit, déjà, c'est cocasse. Je ne vais pas vous cacher. Merci, parce que c'est pour ça que mes parents m'ont rejeté. Il n'y avait plus de portière à ma voiture. Ils m'ont dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et alors que les deux parlaient ainsi dans la rue, ils n'avaient pas vu passer Frédéric, qui a pris les portes pendant tout ce débat. Nous allons revenir à cette conversation et vous remarquez l'absence des portes désormais. Bon, je vais vous en installer une. Alors. Mais. Merde. Mais. Ah, oh, je le savais.
Mais qui Non, mais c'est ça, j'ai trop demandé. Je suis désolé, je vous ai trop demandé, je vous ai mis la pression et maintenant. Non, mais c'est comme, écoutez, c'est comme mon dernier petit ami qui m'a quitté parce que finalement, je lui demandais trop. Enfin voilà, c'est. Non, mais comment. C'est pas grave. Écoutez, vous pensez pas à chialer. Non, mais c'est. Je vous assure, elles étaient pour vous. Je vous les avais mises de côté. Non, mais écoutez, c'est pas grave. Je vais. Alors. Ça ne s'entend pas, mais je remonte dans ma voiture. Mais non, voilà, non. Et puis... Attendez. Je me mets au milieu de la route. Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Non, attendez. Ma voiture, mes portières. Voilà. Une première portière. Clac. Non. Une. Quoi? Voilà! Une deuxième portière. Vous avez vos portières et on n'en parle plus. C'est cadeau, c'est la maison. Mais écoutez, mon visage. Tais-toi. Oh, mais c'est vraiment. Montez! Ok! Montez, alors attendez. Il va falloir qu'on. Allez, pédaler! Et puis. Voilà, on lance la machine. Oh mon Dieu! On a de la chance, c'est dans une. On va pédaler. Pourquoi on va pédaler? Parce qu'il a pas de moteur. Ben oui. Ah, y a pas de moteur. Ben oui. Ah, j'ai pas compris ça. Mais c'est le Q-Stax en fait. Ouais, c'est ça. Un Q-Stax. On allait y arriver. J'allais lui donner un moteur. En fait, c'est un Q-Stax, monsieur. Qu'il est en train de tuner petit à petit. On va. Il a déjà le volant, il a déjà les trucs, mais pas le. Il y avait cette pub ultra gênante de Peugeot à une époque où c'est un. Je pense en Inde, un gars qui a la photo d'une Peugeot et qui du coup ressoute sa voiture pour qu'elle ressemble à une Peugeot que personne ne ferait et en plus c'est ultra ultra pédant. Enfin moi. Oui. Ah oui voilà. Je vois très bien cette. Donc problématique. Mais donc Manu, problématique, oui. Hein, quand même. Et ben au moins moi je. Parce que si on t'associe à un truc problématique, c'est que tu es problématique. C'est vrai. Aussi. Écoutez voilà. Je peux partager avec vous et les auditeurs cette tentative de faire une improvisation visuelle quand c'est une improvisation. Auditive. Ça, c'est vraiment un chouette exercice à faire. Oui. On adore, hein. Oui. Et on streamousse sur nos sièges, mais en fait, ça ne change rien du tout. Mais c'est ça. On... Donc, les auditeurs doivent savoir qu'on a vraiment donné physiquement de nous durant cette impro. C'est vrai. Mmh. Voilà. Ouais, Agnès m'a vraiment pété la gueule. Je suis levée, est sorti de la pièce et puis il est arrivé, il a fait ah, en avançant vers nous. Ouais, mais les déménageurs m'ont prêté leur Twingo. Twingo. C'est vraiment les fameuses Twingo de déménagement. C'est une Twingo avec monoplace. Leur grande capacité, leur portant à haillons. Les fameuses caractéristiques qui font de la Twingo un véhicule de déménagement. Leur semi-remorque un véhicule attaché. Ah là là. Vous êtes dingue. Vous êtes on ne s'arrête pas. Eh bien, il nous reste encore une improvisation à jouer. Merci pour cette improvisation. Merci pour tout cet investissement. Philippe. Avec plaisir. Transpire. Je sens que elle était prête. T'étais prête à en faire beaucoup plus. Mais oui. On est désolé de devoir te juguler parce que sinon après quand on est tout seul, nos épisodes vont plus ressembler à rien en comparaison. Donc. Mais non, j'adore vous écouter tous les trois. Oh, mais là, je peux vous dire que je transpire pour vous. On est en plein mois de janvier. Et je peux vous dire que ça, je donne quoi. On vient de commencer une nouvelle année et là, on commence du bon pied. Exactement. Eh bien, nous avons encore une improvisation qui, je pense, va bien clôturer cet épisode de manière vraiment genre incroyable. C'est Iseu qui va nous la présenter. Ah, eh bien, figurez-vous que je vous propose un moment à Oscar. C'est-à-dire, je vais vous donner un mot, vous allez faire une improvisation. Comme il se doit. Sauf que quand je veux, je peux faire. Et je lui dis, mais là, ce moment précis a valu à ton personnage un Oscar d'interprétation. Et du coup, s'ensuit sur une musique des plus entraînantes, un moment d'interprétation dramatique poignant qui a valu un prix. Et puis je ferai. Et on revient à l'improvisation normalement. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est très clair. Et je vais vous donner un mot. Votre mot d'inspiration sera principal. Principal pour un moment à Oscar. C'est parti. Monsieur. Quoi encore? Voici les dossiers que vous m'avez demandés. Ok, merci. Non mais oui, je...
Allez-y, je sens que vous avez un truc à dire. Je sens que vous avez un truc à dire. C'est quoi? J'ai été trop dur avec les parents du petit, là. Le gamin a foutu le feu à un autre élève. Hein. Oui, non, mais... Non, je dis pas que vous avez été trop dur, mais peut-être que vous auriez dû éviter de les torturer, ces parents-là. Vous voyez, il y a des compromis à faire, des fois, dans l'éducation des jeunes et des parents des jeunes. Non? Pensez pas? Le jour où vous avez postulé à un institut Saint-Écorché, oui. Que croyez-vous que les méthodes éducatives seraient? Alors, j'avais déjà eu des suspicions par rapport au nom de l'établissement scolaire. Je ne vous cache pas que... Tout à fait. Oui, voilà. Mais en fait, je tiens juste à dire que nous avons quand même un taux de perte de 1,6% d'élèves et nous l'avons largement dépassé. Oui, Madame de Guerlache, vous vous rendez bien compte que ce n'est qu'en séparant le grain de l'ivraie que nous obtiendrons les meilleurs résultats. Et s'ensuit, juste après, un monologue qui a valu à Hicham un prix d'interprétation. Je ne sais pas si vous avez regardé dans la rue dehors. Si vous regardez les visages des gens qui passent. Il suffit de regarder de l'autre côté du mur. Vous voyez des visages médiocres, des mines abattues, des épaules voûtées. Je ne veux plus de ça! L'être humain mérite mieux, la société mérite mieux. Si des sacrifices doivent être faits, eh bien je les ferai. Pour tous ceux qui ne sont pas capables de les faire. Pour tous les gens trop faibles de prendre les décisions qui sont nécessaires. L'humanité n'est pas assez bien. Nous devons nous séparer de cette médiocrité intense qu'est devenue cette société moderne. De le wokisme et ces gens... Je ne peux plus, Madame de Guerlache. On revient à l'impro. Je comprends, monsieur, mais vous pourriez arrêter de taper sur le squelette de Madame Dufour, la maman du petit Jérémy, s'il vous plaît. Je fais ce que je veux, ah. Ok. Excusez-moi, Madame Guerlache, voilà, la police est là pour vous auditionner, puis pour auditionner monsieur le directeur. Ils ont l'air très fâchés. Je les fais un peu patienter. Ou... S'il vous plaît, faites-les patienter, mais quelques minutes seulement. Laissez-moi gagner du temps, s'il vous plaît. D'accord, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Et la manière dont Madame Guerlache va faire gagner du temps a valu un prix d'interprétation. Monsieur, j'ai compris tous vos arguments. Ils m'ont touchée au plus profond de mon être. Je suis en empathie totale avec tout ce que vous avez vécu. Et je tiens à vous dire que vous êtes un modèle pour moi. Vous avez le sens de l'analyse, le pouvoir de comprendre notre monde. Vous avez tout compris et pourtant vous êtes l'incompris. Mais pour cela... Je vous soutiendrai jusqu'au bout. Je me mettrai à vos genoux. Je me mettrai plus bas que terre pour vous. Et je serai le rempart entre vous et la police. Faites-moi confiance. Je serai votre allié, votre bras droit. Et l'on revient à l'improvisation. Laissez-moi dire aux policiers ma version. Je vous défendrai coûte que coûte. Laissez-les entrer. Je connais le commissaire. Personne ne bouge, personne ne bouge. Alors, monsieur le directeur... Non. C'est principal cross game pour vous. Monsieur le commissaire, non. Je me mets physiquement entre vous. Quel est ce rempart qui s'étend entre nous? Vous devez me passer sur le corps. Et je vous préviens, c'est une bavure policière si vous me cassez juste un ongle. Alors... Allez-y, Madame de Guerlache. Faites votre devoir. Je ne vous laisserai pas souiller la réputation de mon cher principal. Et... Pour un deuxième prix d'interprétation, Madame Guerlache va conclure cette improvisation avec le monologue suivant.
oui, en effet. Monsieur le commissaire ? Quoi ? Vous ne pouvez pas l'attaquer, car cela voudrait dire que, au fond de vous, vous pensez que vous êtes parfait. Mais soyons honnêtes, regardez-moi dans les yeux. Ne me mentez pas, mais surtout, ne vous mentez pas à vous-même. Il a les épaules voûtées. Si vous pensez que vous pouvez attaquer mon cher principal, c'est que vous vous leurrez. Il a l'expression abattue. C'est parce que vous êtes un lâche, monsieur le commissaire. Vous devez regarder vos propres responsabilités et votre propre culpabilité. C'est un wokiste. Monsieur le commissaire, je vous laisse avec cette réflexion sur vous-même. Pensez à votre passé, votre présent, et aussi, quel sera votre futur. C'est bon, on se tire d'ici. Yeah! Voilà! J'ai gagné deux Oscars! Mais oui, deux Oscars! J'adore! En plus, c'est pas un truc très. C'est pas très catholique. Normalement, c'est un moment Oscar par personne, et là, ils m'ont regardé genre quoi? Deux moments à Oscar! Ouais, Manu a été dérobé de sa nomination. Mais senti, c'est ma décision. Non, mais je ferai obstruction de la décision. Moi. Tiens, je partage mon deuxième Oscar avec. Non, mais j'ai bien vu que la deuxième fois, tu le tenais même pas contre toi précieusement, comme tu l'as fait la première fois. Non, mais c'est parce que. Non, arrête! Manu, ah purée, c'est ça qu'elle faisait. Mais oui, évidemment. Elle tenait son Oscar précieusement. C'est pas, non, en fait, il parle de ma gourde, mais parce qu'en fait, pour donner de l'intensité, de l'intensité, j'avais besoin d'avoir un truc poignant, et donc j'avais besoin de tenir ma gourde contre moi. C'était pas du tout l'Oscar. Ah, tu tenais ton Oscar, et que non, oui, c'était ouais, c'est pour ça que je l'ai gagné. J'étais impliqué, tu vois. Ah, ouais, et c'est pour ça. Le deuxième, je veux le partager avec toi-même. Oh. Les auditeuristes, si au cas où vous n'avez pas compris, pendant le premier moment à Oscar d'Agnès, Agnès a tenu sa gourde contre elle, comme si c'était un Oscar ou un enfant qui venait de naître. Non, je l'aurais étouffé là. Ou une bouteille de whisky. Voilà. Selon la lecture de la séance. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Ah là là, c'est beau quand même. Hein, tout. C'est, on a reçu au cours des deux dernières saisons un sacré nombre de récompenses. Hein, c'est vrai. Invite les meilleurs des meilleurs. Et certains disent que l'impro n'est pas reconnue. Ah ça, oui. Lol. Enfin, l'impro se reconnaît elle-même. Ah, oui. Mais là aussi, je trouve qu'il y a de la reconnaissance qui est en train d'émerger. Ça bouge. C'est vrai. En France, il y a quand même eu une belle reconnaissance de l'improvisation chez les jeunes. Et ben on espère qu'en Belgique aussi, ça sera reconnu. Ah, mais je pense que récemment, il y a une décision comme quoi maintenant, oui. L'improvisation est dans les cases pour lesquelles on peut demander des subsides. Il y a une case impro maintenant. Ah, c'est chouette, ça. Ouais. C'est récent, oui, la ministre est nouveau. Assez proactive. Oui, c'est ça. Ben, j'ai envie juste de dédicacer cet épisode à tous ces jeunes. Donc c'est ton coup de cœur, font... on est d'accord. Non, qui font. C'est pas ton coup de cœur. Non, lâche-moi. Laisse-moi tranquille. J'étais non, mais c'est prêt à faire le coup de cœur. Ceci n'est pas le coup de cœur. Non, mais parce que le nombre de jeunes qui font de l'impro et qu'on a vu toutes et tous évoluer, ceux qui ont bossé avec les jeunes, vous le savez. Avant l'impro, il y a pendant l'impro, et quand tu les vois après, par exemple, 2 ans d'impro, moi j'ai eu le cas encore il y a quelques jours, je me dis. Oh, ça devrait être, mais sur prescription médicale pour tout le monde, l'impro. Il faut de l'impro chez les jeunes. C'est un outil précieux, vraiment. Civique ouais. Et social. Wow. Bravo. Ouais. Non, c'était pas mon coup de cœur. Non, ok, d'accord. Mais j'allais rebondir là-dessus en disant que moi, je pense vraiment que l'improvisation, j'ai commencé à 20 ans et ça m'a fini. J'avais l'impression d'avoir 20 ans, mais de mentalement en avoir encore 15. Et ça m'a vraiment fini en tant que confirme. Ouais. Je t'emmerde. Non, je veux dire moi aussi, voyons. J'oserais pas. Ok, le coup de cœur d'Anis Galvache donc. Oui. J'ai donc préparé mon coup de cœur. Pardon, la chronique d'Agnès Calvache. Parce que, en fait, moi, j'aime bien quand on me demande des coups de cœur parce que j'ai envie de partager ce que j'aime. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Corée du Sud est une partie importante de ma vie et de mon activité professionnelle aujourd'hui, à côté de l'improvisation, bien sûr. Et donc, j'avais envie de parler d'une série horrifique sud-coréenne qu'on appelle aussi communément un drama. Hein. Un drama coréen, c'est une série, tout simplement. Et ça s'appelle Sweet Home. Sweet Home, c'est en 10 épisodes d'environ 1 heure chacun et qui est diffusé depuis 2 ans sur la plateforme Netflix. Donc voilà. Le synopsis,
Cha Yeon-so est un jeune homme d'une vingtaine d'années solitaire et suicidaire depuis la mort de sa famille dans un accident. Il emménage dans son nouvel appartement d'une résidence plutôt pauvre. Très vite, il remarque d'étranges situations qui se produisent dans cet immeuble. Les voisins se transforment en monstres. Finalement, son immeuble est peut-être le dernier endroit pour s'en sortir, car tous les autres résidents et citadins sont aussi devenus des monstres. Il va donc tenter, avec les autres habitants encore vivants de cet immeuble, de survivre. Mon avis ? Alors, Sweet Home, c'est quasiment un huis clos dans ce grand et vieil immeuble un peu glauque et délabré. Il y a un travail des scénaristes pour explorer le background des différents personnages et pour tisser les liens entre eux. Il y a aussi des alliances et des trahisons. Des questionnements que se pose le spectateur sur comment il réagirait si cela lui arrivait. Il y a aussi des vilains monstres qui font peur, même si quelquefois les effets spéciaux, je dois l'avouer, font un peu cheap. Mais si on fait preuve de suspension consentie de l'incrédulité, j'adore ce concept. C'est place... Alors si on admet que c'est possible et qu'on va pas faire chier avec une analyse pendant qu'on regarde, c'est ça que ça veut dire. Si on se dit, allez, c'est comme ça, je le prends et fais pas chier, alors même les effets spéciaux un peu cheap, ça passe. Il y a clairement une idée de génie pour le concept de qui est le monstre et pourquoi. Oui, car le déclencheur pour devenir un monstre est presque un concept philosophique, on peut dire. Et pour finir, il y a des musiques épiques tout le long de la saison qui ajoutent à l'ambiance claustrophobique de ce drama. Je ne peux donc que vous conseiller de regarder cette série qui n'est certes pas un chef-d'œuvre, mais qui peut vraiment procurer une bonne dose d'adrénaline et peut aussi être un prétexte à certaines réflexions philosophiques. Ouh. Merci Agnès. Ah, j'adore. Je crois que j'ai réussi à formuler ce qui me fait tellement rire en bien, attention, c'est que Agnès est très 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 en contact avec son enfant intérieur. Très 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 en contact avec son enfant intérieur. Une qualité que je trouve que, en fait, qui émerge chez pas mal d'improvisateurs, je trouve. Je pense que l'impro cultive ça dans un certain sens, j'espère. Ouais. Il y a des gens chez qui ça se voit plus, et ça se voit chez toi. Mais c'est très chouette. Enfin, attention, t'es tout à fait partisan de ce genre de bêtises. Ben, je le prends très fort comme un compliment, parce que c'est vrai, et je l'entretiens, cet enfant intérieur. Et si tout le monde pouvait avoir son enfant intérieur qui s'exprime un peu plus. Et oui. Hein ? Amen. Oui, c'est vrai. Oh, j'aime beaucoup parce que, franchement, c'est la quatrième émission que je fais avec vous et à chaque fois, j'ai l'impression qu'à notre niveau, on révolutionne un peu le monde, tu vois. Nous sommes la résistance. Ouais. C'est beau. Mais j'ai l'impression que l'enfant intérieur de Manu a quelque chose à nous dire. En fait, c'est juste vous dire, ça y est, mon micro est allumé. Ça y est, continue comme ça. Bravo. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une émission que j'aime beaucoup. En fait, s'appelle On prépare pas. C'est une émission d'impro. Enfin, c'est des petits sketchs comme ça, mais à la radio. Enfin, il y a que l'audio, quoi. On les voit pas, mais parfois on les sent. Enfin, je veux dire, c'est tellement des gens qui expriment des choses qu'on a l'impression qu'ils sont juste là à côté, quoi. Et ça, c'est chouette. Enfin, surtout quand je vais à vélo à l'école, ou bien quand je plie mon linge ou quoi. C'est des gens qui m'accompagnent, c'est toujours chouette. Et donc, du coup, en fait, moi, j'en ai parlé aux gens autour de moi. Et puis, je me dis, peut-être les autres peuvent faire la même chose. Et puis je les suis sur les réseaux sociaux parce que je sais que, il y a des algorithmes qui font qu'au plus on commente les publications et on les like et on les partage, et au plus du coup des gens les voient, et du coup comme en fait c'est des gens qui font beaucoup de bien à beaucoup de gens, je me dis comme ça peut faire encore plus de bien à plus de gens, puis comme ça en fait à leur niveau ces gens là révolutionnent un peu le monde et donc on les aide un peu, quoi. Moi, ma famille m'a demandé qu'est-ce que je voulais pour Noël le mois passé. Et en fait, je savais pas trop, parce que je me disais, non, mais j'ai déjà tout. Enfin, j'ai pas vraiment de... Puis je me disais, mais vous savez quoi ? En fait, vous pouvez aller leur faire un don sur utip.io de ma part. Parce que bon, c'est bien UNICEF et Médecins du Monde et tout, mais en fait, c'est jamais trop où va l'argent. Alors que sur... on prépare pas, on sait que l'argent, ça va pour leur matos, c'est pour leurs invités. Et puis comme ça, on les aide à révolutionner le monde et à réveiller l'enfant intérieur de tout le monde. Voilà.
J'ai l'impression que cet enfant a pris 10 ans d'âge au cours de l'intervention. Oh, pas du tout. On était sur un fast-forward au niveau de la croissance. Déjà, quand t'as un enfant qui te sort le mot algorithme, tu fais... Mais les enfants d'aujourd'hui sont des digital natives qui maîtrisent bien le vocabulaire. Ouais, je me souviens très bien de ma petite sœur, bisous Léa. On lui disait, tu as le couvercle de ta boîte à tartines? Elle dit, on ne dit pas un couvercle, on dit un opercule. Oh, j'étais ce genre d'enfant. Eh bien, Agnès, oui. Merci de nous avoir rejoints pour c'est ces déjà fini. Bah oui, c'est déjà fini. Bah non. Alors, de toute façon, j'ai emménagé ici, hein, je vous le rappelle. T'as ton matelas sur le lit de Disham. Voilà. Elle a son frigo sur les toilettes. Elle a aucun sens. Elle a mis le frigo sur les toilettes. Bonne chance. Ah. Bonne chance. Ça va goûter un peu. Non. Bec, ça sera cool. Ouais, ouais. Retour à l'épisode précédent. Bon, Agnès, merci d'être venue pour ces deux épisodes. C'était vraiment un grand plaisir d'avoir une personne aussi rayonnante. Merci. Oh, merci, plaisir partagé. Et j'ai envie de dire, je retourne un peu la situation. Est-ce que vous avez un mot à dire chacun d'entre vous pour terminer cette émission? Mon micro ne s'en remet pas. Non, parce qu'à chaque fois, vous demandez aux invités un mot pour exprimer ce qu'ils ont envie. Ben alors, cette fois-ci, c'est à vous de vous exprimer. Dites-moi un petit mot. Eh bien, plaisir. Ouais. Alors, j'ai qu'un seul mot en tête en ce moment, c'est courgette, mais j'aime vraiment beaucoup les courgettes. Moi, je vais dire le mot poivron. Allez, okay. Plaisir courgette poivron. Ok, il y en a qui ont faim. écoute, tu sais quoi, Agnès? Ouais. Je vais te passer la main pour finir de présenter l'émission, pour conclure l'émission. Oh, je ne sais pas comment faire. Donnez-moi la table de mixage. Voilà. T'appuies ça quand tu as envie de filmer. C'est normal s'il y a du feu? Il y a de la fumée, c'est normal? Bon, ben. Ok. Il n'y a plus de lumière. Non, je crois que c'est la fin. Allez, bisous. 3, 4.